bire, go ba solo lu bire. Iwe, go so ba bire, go si ba ba bire, go ba solo lu bire. Iwe, e ma mi bolo run to be. Obala, obatoka. E ba mi bolo run to be. Mare, obatoka. E ba mi bolo run to be. Obala. Chuku oh oh malecha I do need to bow buleya elu buleji saselu na buleya ye buleji saselu buleji buleji saselu na buleya ye buleji saselu qu'on puisse acclamer, qu'on puisse recevoir ce matin notre Père, le portier de la maison, le portier de la maison, notre chef, notre Père, le révérend, parce que nous réussirons. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Chineke, Oga. Tu vas adorer Dieu pendant une minute. Tu vas adorer ton roi. Chineke qui veut dire roi. Nous allons chanter, essayer de nous connecter à Dieu. Nous allons nous laisser transporter. Donnons ce matin à Dieu et non aux soucis. Donnons cette matinée à notre roi. Nous avons donné toute la semaine aux hommes à travailler pour des hommes, à travailler pour des patrons, à travailler pour faire plaisir à la famille. Donnons ce matin à Dieu. Amen. Qui veut dire roi, Chineke, oh,
Baba. Tu peux chanter, baba, 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 baba. Tu peux chanter pour lui. Est-ce que tu peux dire baba, 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 baba? Tu es l'unique papa. Oh, tu es Yahweh, papa, papa, papa. Maîtriser ton savoir-faire, apprendre à te connaître. Ooh, my God. Je veux connaître tout ce que tu connais, Père. Maîtriser ton savoir-faire. Yes. Apprendre. Apprendre à te connaître. Je veux connaître, Seigneur, tout. Je veux connaître tout ce que tu connais, Père. Maîtriser ton savoir-faire. Maîtriser ton savoir-faire. Apprendre. Apprendre à te connaître. Oh, oh Père. Oh Père. Tu chantes mon Père. Oh Père. Tu es mon Père. My God. Oh, 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 Père. Oh, yeah. Père. Oh, hey, yeah, yeah, Père. Yeah, yeah. Oh, Père. Oh, Père. Oh, Père. Père. Ah, bah, tu es le Père. Tu es le tu Père. Es mon Père. Tu es le Père. Oh, oh. Chante. Tu es mon Père. Oh Père. Oh Père. Oh Père. Oh Père. Tu es mon Père. Le Père des miracles. Mon Père. Oh Père. Aïe, bah, 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 tu es mon Père. Je veux connaître. Chante avec moi. Je veux connaître. Ce que tu connais, Père. Maîtriser ton savoir-faire. Maîtriser ton savoir-faire. Apprendre à te connaître. Apprendre à te connaître. Je veux connaître, Père. Je veux connaître tout ce que tu connais. Tu connais, Père. Je veux maîtriser ton savoir-faire. Maîtriser ton savoir-faire. Apprendre à mieux te connaître, Seigneur. Oui, je veux connaître. Est-ce que tu peux chanter? Je veux connaître. On y va. Je veux connaître tout ce que tu connais, Père. Maîtriser. Maîtriser ton savoir-faire. Apprendre. Apprendre à te connaître. Oh, 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 oh. Mama, 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 mama
mon père, tu es mon père, tu es mon père, tu es mon père, oh père. Merci Jésus. Tu es mon père. Merci mon roi. Merci Adonai. Oh, merci père. Jésus. Tu es mon père. Il read the flow, the glory of Radha. Igwe. Mama Torika para da 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 da. Igwe. Mama 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 mama. Igwe. Read the flows of Karada Dozo to you. Oh God, in a river flow. Igwe, ba 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 ba. Igwe, Igwe, Igwe. My God, my God. Adore ton Dieu, adore ton père, adore ton papa. Sous cette onction, adore le papa. Je me sens que tu es au-dessus de tout. C'est pourquoi je t'appelle Igwe. Igwe. Je suis au-dessus de tout. Ce jour t'appartient. Ce jour est pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, merci. Toute ma dévotion pour toi, Seigneur. Reçois ces acclamations maintenant. Reçois ces acclamations, Yahweh. Reçois l'ovation. Reçois tout honneur. Reçois le Dieu de miracles. Tu n'as pas encore fini de nous épater. Reçois cela, reçois. Tu en es digne, Seigneur. Tu en es digne plus que aucun autre sur cette terre. Tu en es digne, le roi des rois. Yeshua Mashiach. Yahweh. Merci, Seigneur. Tu es la majesté. Te rendons toute la gloire. Tu es la majesté, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire, honneur te soit rendu. Merci Adonai, Père. Merci Seigneur. Tu n'étais pas loin, tu nous écoutais. Merci Jésus d'être là au milieu de nous. Gloire, honneur te soit rendu, Yahweh. Merci Seigneur. Balance les mains et salue la présence de Dieu. Waouh, 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 waouh. Ça donne envie d'acclamer encore Dieu. De le célébrer, de l'ovationner. Mon Dieu. Dieu est vivant. Ces montagnes. La 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 la. Oh my God. Mon Dieu est puissant. Il déplace les montagnes. Yes.
Il me cache sous ses ailes, m'abrite sous son ombre. My God, my God. En lui je suis béni. Mon Dieu est puissant. Il est puissant, puissant. Il est puissant, puissant. Il est puissant, puissant. Est-ce que tu peux dire puissant? Le salut, en lui je suis béni. Oui, mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, c'est lui qui me bénit, lui qui me fortifie, c'est lui qui me fortifie. En lui je suis béni. Bonjour Jésus. Bonjour. Bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Dis avec moi, j'aime sa présence. J'aime sa présence. Est-ce que tu peux dire ce matin, waouh. 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 Il est digne d'adoration. Yes. Nous le bénissons ce matin. Dans cette atmosphère, tu confies la parole à Dieu. Dis, Seigneur, je te confie la parole et mon cœur. Je veux que mon oreille soit dans mon cœur et que j'entende ce que les autres ne peuvent entendre. Je veux entendre ce que tu veux que j'entende, Seigneur. Je veux te rendre toute la gloire, Jésus. Wow. Il calabados sunturia. Oui, de blande radadaka. Tosi toro bobo. Biri libre de sontura. Katoro bobo kinta. Jindarabado bobo kinta. Viens prendre la place du roi. Here we are, spray the flow of the glory. Viens prendre la place du roi. Merci Seigneur. Merci pour l'écoute de la parole. Merci Seigneur, je te rends toute la gloire. Je veux te bénir pour ta parole. Digne es-tu de recevoir toute la gloire en ce jour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir royalement. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons écouter une très bonne parole aujourd'hui, un très bon message. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Très content de vous retrouver. Cette semaine, j'ai dû me reposer. Après le séminaire, j'ai cru que j'allais pouvoir tenir. Et je veux faire un clin d'œil à tous ceux à qui j'avais donné rendez-vous cette semaine. Je n'ai pas pu tenir les rendez-vous parce qu'il fallait vraiment que je fasse une pause, que je me repose. J'espère pouvoir être available cette semaine qui vient. J'espère qu'on n'est pas fâchés. Que Dieu soit béni, si vous ne l'êtes pas. Que Dieu me pardonne. On va lire Matthieu. Matthieu, oui, vas-y, tu as le micro. On va lire la parole de Dieu. Dis à ton voisin, vrai, vrai évangile. Vrai, vrai évangile. Nous allons lire la Bible dans le livre de Matthieu,
le chapitre 16, à partir du verset 22. On peut s'arrêter au verset 23. Vas-y. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit. On peut se tenir debout. Aujourd'hui, on peut se tenir debout pour écouter. L'inspiration veut qu'on se tienne debout. Oui, vas-y. À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Nous allons lire ensemble, puisque c'est seulement deux versets, nous allons lire en unisson. Lisons ensemble. Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir royalement. Je prêche, on va connaître le thème après, ok? Je veux prêcher d'abord. Je veux parler à une personne. Je veux vous poser une question. Dans quelles circonstances tu es obligé, ou dans quelles circonstances une personne est obligée de crier pour se faire entendre? Quelles sont les circonstances? Oui, mon frère. D'accord, merci. Quand je veux parler à une personne, qu'est-ce qui fait pour que la personne, si je crie pour que la personne m'entende, donc nous sommes dans quelles circonstances? Oui. Quand l'interlocuteur est loin, merci. Donc la distance fait qu'on augmente le volume. On est d'accord? Si la personne est très proche, on n'a pas besoin de lever la voix. Et je tiens à vous dire que à chaque fois qu'il va vous arriver de constater que deux personnes sont obligées de crier pour se faire entendre, peu importe la distance, ces deux personnes sont éloignées. Je reprends. Si vous observez une discussion, même si ce n'est pas une dispute, où les gens crient beaucoup pour se faire entendre, c'est que de façon vitale, ils sont loin. Ce pourquoi ton patron crie beaucoup, c'est parce que vous n'êtes pas encore symbiosé. Vous n'êtes pas encore connecté. Le manque d'harmonie fait que des individus crient en pleine action. Dans toute entreprise, quand il y a des cris, c'est que les êtres sont éloignés l'un de l'autre. Alors, si ton boss est obligé de tout le temps crier, demande à Dieu de te rapprocher de lui de façon vitale. Le boss n'est pas obligé de crier pour se faire entendre. Si tu cries beaucoup envers ton mari, à un moment donné, assieds-toi et réalise que sûrement vous êtes... Non, même pas sûrement, vous êtes loin. Si, homme, tu cries beaucoup sur ton épouse, vous devez vous remettre en cause. Qu'est-ce qui ne va pas? Le cri témoigne que deux personnes sont de façon vitale, éloignées, à une longue distance. Et dans toute administration, dans toute entreprise, dans tout lieu où il y a des cris, les gens ne sont pas encore connectés. Dans le livre de Matthieu, que nous sommes en train de lire, le chapitre 16... Dans le verset 22, regardez ce qu'un disciple, un simple élève, rétorque et comment il le fait à son maître. Pierre. Pierre l'ayant pris à part. Se mit à le reprendre et dit. Se mit à le reprendre. Vous voyez, quand on fait une scène, un dramatique avec juste le verbe reprendre, nous voyons le ton qui va avec. Le cercle des apôtres était en crise à ce moment-là. Au point que un apôtre, un subalterne, un disciple se met à reprendre son maître. Il crie. Pourquoi? Parce que Jésus annonce une prophétie, il dit qu'il va bientôt mourir. Et Pierre crie, il reprend Jésus. Pourquoi tu dis des choses comme ça? Et Pierre aussi prend la parole, arrière de moi Satan. Jésus prend la parole et dit, arrière de moi, Satan. À son propre fils, il dit, arrière de moi, Satan. Ils ont commencé à crier.
Ils ont commencé à hausser le ton. Pourtant, ils n'étaient pas en parable. Mais la manière, ils s'aiment, mais la manière de communiquer se faisait sur des tons élevés. La manière de communiquer était avec hardiesse. La manière de communiquer était avec violence. La manière de transmettre les messages était trop dure. Je voulais vous dire qu'il y a trois manières de solliciter une personne en lui demandant de venir. Il y a trois tons qu'on peut choisir. Il y a « Hey, viens ici. » Amen. Et il y a « Dis le prénom. » Jaurès, viens. Et puis il y a « Mon Jojojo, tu peux venir s'il te plaît. » Vous voyez que c'est le même objectif qu'on veut atteindre. Mm-hmm. On veut que la personne se déplace, mais le ton diffère. Et si le ton diffère, les résultats, les conséquences psychologiques vont différer et la qualité d'exécution va différer, va être différente. Amen. Mm-hmm. Écoutez bien, concentrons-nous à partir d'aujourd'hui et ayons du discernement. Nous saurons que le diable est au milieu de nous rien que par ce signe. Mm. Comment nous nous parlons en famille, comment nous nous parlons en administration, comment nous nous parlons entre collègues. Alléluia. Amen. C'est un symptôme. Et voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre, Satan, il a reconnu Satan. Satan, quand il est là, on crie. Satan, quand il est là, il y a la violence. Quand Satan est là, les gens se parlent durement pour des choses simples. Quand Satan est là, le diable est là, les hommes commencent à se parler comme s'ils étaient des ennemis. Ils se parlent pour se blesser, ils se parlent pour s'offenser, ils se parlent pour déchirer. Ils ont envie de faire mal par la parole. Et les amis deviennent autre chose. Déjà que la quête d'un ami, c'est une chose difficile. Avoir un vrai ami, c'est une chose difficile. Et pour reconnaître un ami, c'est l'amour qui te manifeste. Mais aimer sans dire la vérité à autrui, c'est la séduction. Amen. Mais dire aussi la vérité sans amour, c'est dureté. Et quand on dit qu'on aime, qu'on n'arrive pas à dire la vérité, quand on dit qu'on aime, qu'on prétend aimer quelqu'un et qu'on lui dit des vérités, mais avec dureté, ce n'est pas l'amour vrai. Moi là, j'ai dit la vérité, ben, et puis je m'en fous. Ça ne va pas quelque part. Faites attention, les personnes qui disent ça beaucoup ont des problèmes de rejet. Ce n'est pas toutes les vérités qu'on dit comme on veut. C'est mon papa, mais je lui dis la vérité, et puis ça ne va pas quelque part. Ou bien il y a toujours une fille ou un fils dans l'équipe, on dit, celui-là est moins papa même. Quand papa, quand il parle, ce n'est pas bon. Et moi là, je vais lui dire, mais ben, écoute-moi bien. Satan est au milieu de vous. Mm. Il ne vous est pas interdit de dire la vérité, mais il faut le dire avec amour et sagesse. Nathan était un prophète de roi. Il a voulu interpeller David sur son péché, mais il a utilisé les manières. Mm. Vous ne pouvez pas parler du roi sans utiliser des manières. Au début, quand je prophétisais sur la nation, quand j'étais plus jeune, je me levais puis je parlais comme ça. Un jour, le Seigneur m'a dit, non, on ne parle pas comme ça des autorités. Même si tu leur dis une vérité de la part de l'Éternel, utilise les manières. Alléluia. Amen. Utilise les manières. Il m'a dit que si tu sais utiliser les manières pour parler aux autorités dans la nation, tu n'iras jamais en exil. Et puis, j'ai su parler. J'ai su transmettre mes messages avec beaucoup de manières. Quand le diable est au milieu d'un peuple, quand le diable est au milieu de deux personnes, il y a ce qu'on appelle la dureté. Les paroles commencent à être haussées. Et voilà un symptôme. Ça, je parle à tous les pasteurs d'église, à tous les pères spirituels. Je parle aussi aux disciples et aux fils spirituels. Si votre père est toujours obligé de crier, c'est un signe pour tous qu'il y a l'éloignement spirituel. Quand vous êtes proche d'un leader, quand vous êtes proche de façon vitale d'un leader, il ne crie plus. Amen. Amen. Ceux avec qui il ne parle pas avec force sont proches, c'est un diagnostic. Ceux avec qui il parle avec violence sont loin, parce que ces personnes-là n'arrivent pas à atteindre son cœur. Et j'aimerais vous dire qu'il y a une parole qui dit que celui qui aime bien châtie bien. Mais on doit compléter par souvent ou parfois, mais pas continuellement. Quand
il commence à beaucoup parler avec un ton haut et sévère régulièrement, c'est que les objectifs d'unité d'esprit ne sont pas encore atteints. Si vous êtes dans un environnement où votre patron est très... demandez à Dieu, je veux être proche de ce strouf grognon. Yes. Je veux qu'il arrête de crier. C'est tout. Il y a beaucoup de patrons strouf grognons, mais ils ne crient pas partout. Quelqu'un a dit amen bien fort. Donc vous devez le dompter. Si vous avez un homme avec qui vous collaborez, une personne, un mari, un chéri, qui est toujours grognon, écoutez-moi bien, fléchissez les genoux, priez Seigneur. Ce n'est pas de me rapprocher de lui physiquement que je demande. Seigneur, je veux que de façon vitale, j'entre dans son cœur. Donne-moi l'attitude qu'il faut pour que je puisse pénétrer son palais. Comment? La Bible dit, en ce qui concerne nos relations entre homme et Dieu, que les oreilles de l'Éternel ne sont pas dures pour nous entendre, ni sa main courte pour intervenir. Mais ce sont nos iniquités. Il y a quelque chose dans le monde spirituel qui crée une voûte, une vallée longue de distance entre nous et Dieu, de sorte qu'il n'arrive pas à exécuter ses désirs pour nous selon ce que nous demandons. Et donc, il y a des prières. Nous avons du contenu désormais. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons dire? Aujourd'hui, quand nous prions, nous n'avons plus d'arguments. On a tellement prié, je vous en donne ce matin. Priez pour que Dieu vous rapproche de façon vitale des personnes qui sont utiles et essentielles pour votre évolution. Amen. Je parle et je dédie cette prédication à tous les patrons, à tous les employés, à tous les pasteurs et leurs disciples. Et c'est là que mon message s'arrête. On acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas te tenir debout et tu vas faire cette prière à Dieu. Tu vas demander à Dieu de connecter ton cœur. Pense à quelqu'un que tu aimes bien, mais quand tu le vois, il est toujours... Oh, ce matin, tu vas le surnommer le strouf grognon. Moi-même, je sais que mon nom va sortir dedans. Allez, prions le Seigneur. Dis, Seigneur, mon strouf grognon de Dolski Jaurès Yoro, je veux que mon cœur soit proche de lui. Commence à donner le nom de ton strouf grognon. Si c'est ton patron, allez, donne, mets son nom sur la liste. Si c'est ton mari, mets son nom sur la liste. Seigneur, je suis fatigué de crier avec lui. Je veux que tu nous rapproches de façon vitale. Prie le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de gloire, je me sens loin, loin de ta face, loin de ta présence si souvent. Et je demande, Seigneur, que tu me rapproches de toi. Seigneur, je veux que tu me rapproches de mon père spirituel qui est l'évêque Maïstit Jotan. Seigneur, je veux que tu me donnes le cœur de mon épouse afin que je sois très proche au Seigneur d'elle. Seigneur, je veux que tu me donnes le cœur de... des pasteurs de l'église, afin que nous soyons proches. Seigneur, je veux que tu me donnes le cœur de tous ceux-là même qui sont dans la nation, qui ont des inimitiés avec moi, que Seigneur, tu les connectes avec moi, qu'il y ait l'amour, qu'il y ait la paix, qu'il y ait la complicité, Seigneur. Je veux te lever, je veux te rendre toute la gloire, Jésus-Christ de Nazareth, pour tous tes bienfaits, pour ce que, Père, tu domptes ce problème de mésentente dans les cercles professionnels, le problème de mésentente dans les familles, c'est le thème que tu m'as donné. Seigneur Dieu de gloire, je brise toute distance entre moi et ceux avec qui je fonctionne dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton nom Yahweh, gloire, honneur te soit rendu Jésus. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. On acclame le Seigneur. Alléluia. Agis, tu es puissant en moi. Tu es vivant, mon Dieu. Agis, tu es puissant en moi, en moi. Tu es vivant. Tu es vivant. Mon Dieu, agis. Tu es puissant en moi, en moi. Tu es vivant. Mon Dieu, agis. Tu es puissant. Oh, en moi. Dieu, tu es vivant. Mon Dieu, agis.
my God. Tu es puissant en moi, mon Dieu. Tu es vivant, mon Dieu. Agis, mon roi. Tu es puissant. Oh, en moi. Dieu, tu es vivant. Mon Dieu. Agis. Tu es puissant. Come on, come on. En moi. Tu es vivant. Est-ce que tu peux chanter plus fort? Adore ton Dieu maintenant. Agis. Agis, mon Dieu. Tu es puissant. Oh, c'est beau. En moi, tu es vivant. Mon Dieu, agis. Tu es puissant. Na 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 na. Tu es vivant. Seigneur, fasse que mes ennemis vivent un tout petit peu encore. Juste le temps qui voit ce que je vais devenir par toi. Hey! Seigneur Dieu, tu les vois, ils sont nombreux. Nombreux, nombreux. Agis, tu es puissant. Mon roi, agis, tu es puissant. Tu es vivant, mon Dieu, agis. Tu es puissant, tu es vivant. Seigneur, fasse que mes ennemis vivent un tout petit peu encore. Juste le temps qui voit ce que je vais devenir par toi. Mon Dieu, agis, tu es puissant. Oh, mon roi, en moi, tu es vivant. Mon Dieu, agis, tu es puissant. In a river, the flow, the great in the Jesus. En moi, tu es vivant. Ton Dieu a décidé d'agir. Tout esprit de division, tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Dieu, tout esprit de division dans vos familles. Je connais des familles où les enfants, quand ils voient leur propre père ou leur propre mère, ils sont dans une colère extraordinaire. Tu n'as peut-être pas connu l'affection de ton père si tôt. Il est venu tardivement et tu n'arrives pas à lui en donner. Que Dieu restaure ton cœur. Amen. Stromae, qui est un grand chanteur, a un père rwandais et une mère belge. Il n'a pas connu son père jusqu'à l'âge de 12 ans. À peine il va connaître son père qu'il aura une crise et, et son père va mourir. Et il n'a pas connu son père jusqu'à ce qu'il aille faire un concert au Rwanda. Et là-bas, il a dit, papa, je te dis merci pour ce que je suis. Malgré que son père n'a pas intervenu, c'était pour Stromae une manière de, sans le se rendre compte, de se réconcilier avec ce père à qui il n'a pas pu rendre une affection et chez qui il n'a pas reçu d'affection. Je vous dis, peu importe ce que des personnes ont fait dans votre vie, en ce jour que la glace tombe, alléluia, que la glace tombe. Que cet amour qu'un père recherche de son enfant passe à cause de ses erreurs du passé. Une mère qui, par ses erreurs du passé, s'est retrouvée très loin de ses enfants, qui a envie de retrouver cet amour, mais qui ne réussit pas à avoir cet amour de ses enfants. Aujourd'hui, même cette personne est exaucée. Amen. Dieu va réconcilier cette famille-là.
Je ne sais pas de quelle famille je parle, mais Dieu va réconcilier cette famille-là. Dieu Amen. Va réconcilier un père de ses enfants. Amen. Oui, par la faute de la jeunesse, ce père a dû régner, abandonner, négliger ses parents. Mais je dis par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, il y a une force qui saisit les enfants en ce jour et qui ramène les Amen. Fils vers le père et les pères vers les enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis en train de prier maintenant pour des couples qui sont en séparation de corps, bien que pas divorcés. Des couples qui ne s'entendent pas, bien qu'ils s'aiment sournoisement dans le cœur. Dieu est en train de travailler. Vous qui m'écoutez à distance, il te cherche, elle te cherche maintenant même. Celle qui t'avait oublié, qui t'avait abandonné, te recherche maintenant. Amen. Je vois des personnes qui arrivent maintenant, qui vous appellent, qui ont envie de composer votre numéro. La glace de l'orgueil tombe et se brise Amen. Dans les cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois l'amour en train d'être restauré dans des services où tout était divisé. La méfiance du patron aux employés et entre les employés eux-mêmes. Le Saint-Esprit réconcilie maintenant les entités. Amen. Oh mon Dieu. Amen. Dieu Amen. Est en train d'agir. L'amour et la paix est en train d'envahir Amen. Le cœur de quelqu'un en ce jour. En ce jour. Ouh. My God, Dieu est en train de travailler dans un cœur. Seigneur, agis. Agis. Seigneur, agis dans un cœur. Tu es puissant. Agis puissamment, Jésus. En moi. Agis dans ma famille. Tu es vivant. Dans ma famille. Agis. My God. Tu es puissant. Travaille en moi, Seigneur, et en moi. Tu es vivant, tu es vivant. Agis, agis. Oh, tu es puissant. En moi. Mets la main droite sur le cœur. Mets la main droite à gauche, là, là où il y a le cœur. Vas-y. Pendant que tu as cette main, Dieu est en train de travailler. Il y a des personnes belles dans l'âme qui ne prouvent aucune haine, aucune animosité. Ça existe. Mais vous savez, en général, il y a toujours un petit fond de nous qui n'aime pas quelqu'un. Un petit quelque part, un couloir dans notre cœur qui est en inimitié avec un parent, une personne. Que Dieu vous restaure. Le mal qui vous a été fait. Okay? Il y a des personnes qui vous ont abandonné dans les moments difficiles. Okay? Il y a des filles qui n'ont pas envie d'entendre un nom parce que cet homme leur a fait mal. Il y a des hommes aujourd'hui qui se sont sentis trahis, trahis, trahis. Je connais un homme qui était prêt à aller même voir un marabout pour basser sa copine pour l'avoir quitté de cette manière. Tellement la haine l'avait envahi. Il disait aussi, jamais elle accepte de revenir, je vais me venger, je vais la maltraiter. Si cette haine-là quitte des cœurs, que cette manière de penser quitte des cœurs, que Dieu vous restaure. Il y a des moments où nous devons nous asseoir et prier. Nous avons besoin de l'onction pour guérir la malade. Nous avons parfois besoin de beaucoup d'argent, mais souvent nous devons donner aussi une place à l'amour dans notre cœur. Quand, dans notre culte, quand nous demandons à Dieu des choses, souvenons-nous de la réconciliation. Que Seigneur Dieu de gloire, dans tous les compartiments de notre vie, de notre administration, même politique, qu'il y ait une forme de réconciliation extraordinaire. Un jeu politique vraiment discipliné. Père éternel, nous prions pour l'amour dans la nation, entre les prophètes eux-mêmes, qu'il y ait l'amour. Qu'il n'y ait plus de boycott entre les hommes de Dieu eux-mêmes, qu'il y ait l'amour. Qu'il n'y ait plus de boycott. Que Seigneur Jésus, que tu touches nos cœurs ce matin. Au nom de Jésus. My God. Barados Turia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Nous venons de passer un merveilleux culte. Ça mérite plus d'acclamations que ça. Tel que nous avons acclamé au début, nous acclamons comme ça à la fin. Est-ce qu'il y a un Dieu dans le ciel qui mérite cette acclamation? Alléluia. Est-ce qu'il y a un cœur qui peut acclamer fortement Dieu? Mama, 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 mama. Nous allons manifester notre reconnaissance à l'Éternel en prenant notre offrande finale, l'offrande ultime. Nous allons venir s'aimer. Prends ton argent. Comme le disait ma fille tout à l'heure, prends une grosse offrande que Dieu mérite. Quand tu vas mettre la main dans le sac, dans la pochette, laisse le plus petit billet, prends le plus grand et viens, on va faire une offrande ensemble. Et quand tu viens, tu chantes.
pour dire à Dieu merci. Seulement. Viens, viens en chantant. Seulement Yahweh. Seulement te dire merci. Seulement Yahweh. Seulement Jésus. Seulement te dire merci. Humblement Yahweh. Seulement, mon Dieu, seulement, je veux te dire merci. Seulement, te dire merci. Mon Dieu, my God, my God. Que tu as aimé le moment, on acclame le Seigneur. Tu peux t'asseoir royalement. Je vais appeler le pasteur Isabelle Flora Kakou pour nous distiller les informations en cours. Je crois que nous n'avons pas un programme. Hein. Nous n'avons pas de programme. Acclame bien pour mon père spirituel. Alors que Dieu bénisse la vie de tout un chacun. Au chapitre des annonces, juste rappeler que nous avons culte tous les dimanches de 7h à 9h. Nous n'avons pas de programme en cours. Et je rappelle aussi pour toutes les personnes qui veulent l'huile, après Amen, vous approchez la prophétesse Prisca qui va se tenir debout. Nous avons trois types d'huile. Deux huiles, nous avons la myrrhe à 70 000, la myrrhe royale, le nard à 70 000 et l'huile poudrée d'or à 130 000 francs. Donc après, Amen, vous approchez la prophétesse et vous avez droit à une rencontre avec le prophète. Amen. Y a-t-il de nouvelles personnes? Vous pouvez vous tenir debout, nous allons vous accueillir à notre manière. Alors, bienvenue à la mission Réveil International. Ici, c'est la terre de l'exaucement. Et nous vous souhaitons Aquaba avec l'équipe de louange. Aquaba, t'as dit tout ce qui te dit Israël. Est-ce que tu peux battre la main comme ça? Qui le dit, l'Israël, à la terre de l'exaucement, tu as frappé à la bonne porte. Ici c'est le terminus, on va se montrer les choses. Comment? Dis-toi ce qui te dit l'Israël, à la terre de l'exode.
as frappé à la bonne porte. Ici c'est le terminus. On va se montrer les choses. Comment? Bienvenue encore une fois. Après Amen, nous vous invitons à vous asseoir devant à la place des pasteurs et on va vous donner les nouvelles. Alors ainsi prend fin notre culte. On va se tenir debout pour la prière finale. Avant la prière finale, y a-t-il des personnes qui ont apporté leur dîme? Si oui, vous pouvez vous approcher. Merci Seigneur pour ces personnes qui se dressent devant toi afin d'honorer ta parole. Merci pour les dîmes, Seigneur, qu'elles viennent de donner. Protège leur grenier afin que ta parole s'exécute dans leur vie. Amen. Comment c'est ici? Prions le Seigneur. Seigneur, sois notre départ. Seigneur, sois notre départ, à notre arrivée, tout le long du chemin, que nos greniers soient toujours pleins, sois à notre retour, au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse. Thank you.